Je suis la spécialiste en question JAR et chargée de la gestion des conflits liés à l'eau. Je me dis que dans ce domaine, le programme PC Agir a fait un grand progrès. Compte tenu de la prise en compte des questions des JAR, je pense que cela a été pris en compte dans la cinquième composante à appeler aspects transversaux, d'où on parle de gouvernance, de changement climatique, de JAR, de gestion des conflits liés à l'eau et de renforcement des capacités. Dans cette composante, je pense que beaucoup a été fait, comme je l'ai dit. La prise en compte du JAR, c'est vraiment une préoccupation du gouvernement et du ministère et de la Direction nationale de l'hydraulique. C'est pour cela que des documents stratégiques ont été réélus. Lors de la réélection, on a pris en compte le JAR comme la politique de l'eau, le code de l'eau et beaucoup d'autres documents. À ce niveau, pour le JAR, une étude a été menée et deux étapes jusqu'à la troisième étape ont été menées. Lors de la première étape de l'étude, nous avons fait ensemble avec l'équipe de consultants l'état de lieu de JAR au Mali et dans la sous-région. Les documents sont disponibles au niveau du programme conjoint d'appui à l'Algérie. À la deuxième étape de l'étude, des renformations par la confination de formations de renforcement des capacités a fait l'objet d'un autre rapport qui constitue la seconde étape. Donc, à ce niveau, pour cette étape, je pense que ça c'est en train d'être appliqué. Et le partage du document est en cours et une ONG d'intermédiation sociale appelée GFORCE a été vraiment commise pour continuer les activités au niveau des comités locaux de l'eau. À ce niveau, 10 comités de locaux, les bureaux ont été restructurés et l'on a pris en compte le tiers des membres des bureaux comme femmes. Donc cela est quand même un grand pas. Bon, cela est en train de continuer au niveau des populations jusqu'au niveau commune pour l'information, la sensibilisation et la formation sur le JAR avec les services techniques déconcentrés de la DNH et des autres structures partenaires. Parce que nous pensons que lorsqu'on veut mettre en œuvre l'agir, c'est la concertation et pour qu'il y ait une vision globale et non une vision sectorielle de la chose. Donc nous avons embrassé les différents domaines avec les différentes structures en charge évidemment de l'eau. Pour ce qui concerne la gestion des conflits liés à l'eau, j'ai dit que la gestion des conflits à l'eau est une préoccupation. Car quand on parle d'eau, on parle vraiment de querelles autour de l'eau. L'eau étant rare, donc la ressource devient vraiment source de conflits. À ce niveau aussi, un document vraiment qui a fait ressortir les 9 typologies de conflits liés à l'eau au Mali et les modes de résolution ont été l'objet d'une étude. Le document aussi est disponible au niveau du programme conjoint d'appui à l'agir. Et au niveau des comités locaux de l'eau, je pense que pour cet exercice, le document a été exploité et est en train d'être mis en œuvre au niveau des différents bureaux, des comités locaux de l'eau et aussi au niveau des différents acteurs. Parce que chaque fois que l'on tient des rencontres avec les acteurs et les documents de gestion des conflits liés à l'eau et les documents de JAR sont partagés pour que les gens s'approprient et appliquent sur le terrain. Parce que lorsqu'on parle de conflits, il faut vraiment, pour surpasser ces conflits, mener des actions de concertation, qui est vraiment le soubassement même de l'agir. Donc beaucoup de concertations ont lieu. Quand je prends deux exemples autour des conflits liés à l'eau, concernant agriculteurs et éleveurs, par exemple, c'est là. Lorsqu'on ne fait pas quelque chose, on ne mène pas des séances de concertation, cela veut dire soi que des conflits vont éclater et ces conflits seraient des conflits qui vont durer de longue date. C'est pour cela que des concertations ont été menées au niveau de la gestion des conflits par les différents acteurs, que ce soit les comités de gestion d'eau, les associations, les représentants des structures. Comme au niveau des comités de l'eau, nous avons les 3 collèges, nous avons l'administration, nous avons les collectivités et les représentants des usagers.
Donc tout le monde s'assoit vraiment au niveau de la même table pour discuter de ces questions et pour chercher une solution pérenne. Donc c'est à travers ces solutions et stratégies que l'on passe à une situation vivable de dépassement des conflits liés à l'eau. Au niveau de la gestion aussi de l'eau potable, parce que lorsqu'on parle des jurs, les gens pensent que l'eau potable ne fait pas partie. Je pense que l'eau, la jure, c'est quand même l'eau pour tous les usages, que ce soit l'eau pour la boisson, l'eau pour la lessive, les eaux domestiques en général, je parle, l'eau pour les industries, pour l'artisanat, l'agriculture, la pêche, ils en passent, sont vraiment du domaine de la jure. Et il faut vraiment faire beaucoup d'actions pour pérenniser cette eau qui finit, cette eau qui est limitée, et cette eau vraiment que tout le monde doit préserver, la protection et la préservation de ces eaux, pour que les générations futures en bénéficient de façon très saine. C'est ce que j'avais à dire sur la gestion des conflits liés à l'eau et vraiment la prise en compte du genre. Parce que pour le genre, l'on a considéré que le genre, c'est la femme. Je me dis qu'effectivement, c'est la femme, mais plus étendu encore, c'est l'implication de tous autour de la gestion de l'eau, autour de la gestion de l'environnement, autour de la gestion de tous les aspects de développement. Donc, il faut impliquer les femmes, les jeunes, hommes et femmes, tout le monde autour de la même table pour le développement humain durable et pour l'atteinte des objectifs du développement durable.